Yes! Yes! Salut les gamers, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto comment monter sur Shock Eyes. Voilà, donc dans un premier temps, vous sautez sur Balustrade ici. Après, le premier là. Le premier ici. Enfin, le deuxième ici. Le troisième ici. Après, vous allez un peu sur la droite. Vous sautez le côté cap, sur le côté qui est un peu plus lumineux. Là, je tourne un peu pour vous montrer. Là, hop, on fait le saut. Tac. Oh, il y a eu un bug. Ensuite, là, vous reculez un peu, vous montez ici. Sans tomber, parce qu'après, c'est un peu chiant, on doit tout refaire, voilà. Après, on va vite aller, je passe un peu vite, voilà. Ensuite, vous sautez de nouveau sur balustrade ici. Sur le coin qui est fin. Après, sur le petit coin qui est au-dessus, qui est un peu plus haut. Là, je vous montre un peu en zoom. Le petit coin qui est là. Vous sautez ici. Alors, sautez là, vous sautez sur la petite barre qui est là, en bois. Ensuite, vous sautez, enfin, la poutre. Ensuite, on se retrouve ici. Vous sautez au premier, au deuxième, au troisième, comme ceci. Au quatrième, là, ça va être très simple. Après, par contre, il faudra se reculer. Bien se reculer, puis après, sauter en avant pour aller dessus. Ensuite, là, on va passer pour monter là. Rien de plus, ça vous allez au premier. Gauche, droite, gauche. Vous sautez pour monter ça. Après, vous faites un autre saut pour aller ici. Ensuite, là, vous sautez. Et gauche, droite. Vous allez un peu en arrière, droite. Et après, il faut attention, il ne faut pas trop reculer, sinon vous tombez, comme là, l'erreur que j'ai fait. Deuxième fois, hop, si vous reculez trop, hop, on tombe, voilà. Donc gauche, reculez un peu, droite, pour sauter. Ensuite, vous reculez un peu, vous allez à droite pour éviter de tomber. Quand vous allez à droite, vous sautez sur le petit rebord là. Vous avancez un peu doucement, hop, vous sautez ici. Ensuite, vous bougez, vous allez un peu au bout en dépassant. Allez un peu en arrière pour éviter de tomber, vous allez là-dessus. Après, vous allez un peu sur la gauche. En dépassant un petit peu, hop, vous sautez sur la première balustrade là, la deuxième ici. Ensuite, là, vous allez un peu à droite. Enfin, un peu à gauche, pardon. Vous sautez là-dessus. Ensuite, vous vous déplacez un peu contre la gauche, vous regardez pour bien sauter sur l'endroit. Vous restez bien collé contre la poutre, ça c'est important. C'est contre la gauche. Là, je prenais vraiment mon temps pour que ça soit comme il faut. Là, après, vous sautez ici. Faites attention, là, vous regardez contre l'autre, comme ça, vous savez comment sauter. Vous reculez un peu, hop, vous faites le saut. Après, là, ce qui est important, vous ne pouvez pas sauter directement. Vous montez d'abord ici. Et ensuite, vous sautez contre. Là, pour vous montrer, on ne peut pas monter. Hop. Gauche, regardez, on saute contre. Toujours regarder contre le truc pour être sûr de bien sauter. Après, on va là. Là, j'ai mis un peu plus rapidement. On va jusqu'ici. Là, vous sautez sur la petite balustrade, là. Hop. Vous allez doucement à gauche, tout doucement. Ensuite, là, vous pourrez descendre. Vous descendez doucement pour éviter de tout tomber et tout refaire. Hop, vous arrivez là. Ensuite, là, vous regardez contre le coin là-bas. Vous regardez bien comment vous sautez. Vous allez un peu contre la gauche. Ça va un peu dépasser, un peu en arrière aussi pour l'élan. Hop, vous sautez. Après, là, de même, un peu à gauche, vous regardez comme il faut, vous reculez un peu pour avoir de l'élan, et hop, vous sautez. Pour arriver là, bah, vous faites attention, là, c'est l'endroit le plus stressant, parce que j'ai déjà fait une fois, je suis tombé, donc là, vous allez un peu contre la gauche, un peu en arrière, vous regardez bien l'endroit où il faut sauter, et dès que vous êtes prêt, vous sautez, voilà, tac. Ensuite, là, je mettrai un peu en speed, parce que je savais pas où aller, donc voilà. On peut monter en haut, tac, ensuite pour monter en haut, regardez, là, je me loupais plusieurs fois. Là, j'essaie de sauter. Voilà, ensuite vous sautez ici, vous regardez contre, et vous sautez là. Une fois que vous êtes ici, vous avez tout. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est faire scruter, que vous allez voir, j'ai changé de tenue directement et tout. Vous allez recevoir, alors c'est le Shokaize et la plus grande auberge de Kugan. On y trouve des gens de tous les horizons, des marchands locaux, des ouvriers travaillant dans le port ou des échanges, une capacité de goûter absolument lors de sa venue et un saké, un alcool fabriqué à base de riz sur Koshu, l'île principale de l'archipel Higashien. L'établissement propose aussi une grande variété de plats basés de produits de la mer. Super, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc voilà, c'était un petit tuto. Vous pourrez remarquer que Shokaize, pas si simple à le monter, c'est quand même assez compliqué, donc il m'a fallu beaucoup de temps. Vous pourrez voir, je mettrai dans la description que faire après l'épopée. Je l'ai essayé avec un autre ami et c'était vraiment compliqué de le faire et tout, donc j'ai passé des heures, il faut prendre un certain temps, donc je suis content de faire un peu ce tuto guide pour vous, parce que j'ai vu, il y a beaucoup en anglais, mais il n'y a pas en français. Comme ça, vous pourrez regarder ça, puis avoir sans autre l'aide qu'il vous faut. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto. Si ça vous a plu, comme d'habitude, de dire dans les commentaires, un petit pouce bleu, etc. Merci à tous, c'était Ubox, et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.